aux abords des autoroutes, voilà ce que l'on peut parfois découvrir. Un parking sauvage. Le plus souvent, il s'agit d'automobilistes qui ont garé leur voiture avant de faire la route avec un collègue ou un compagnon de covoiturage. Ce stationnement sauvage est loin d'être une solution idéale. On a pu observer des véhicules qui se garaient de manière un peu sauvage et souvent dans de mauvaises conditions de sécurité. Donc nous avons répertorié tous ces sites-là et nous avons travaillé avec les territoires pour vérifier quels étaient les emplacements les plus adaptés et qui s'intègrent dans un programme d'aménagement également des collectivités. Voilà pourquoi Vinci Autoroute a décidé d'investir partout en France dans des parkings de covoiturage rapidement accessibles depuis l'autoroute. Comme ici à Galargues, sur l'A9, avec ce parking de 98 places gratuites. C'est le 37e parking du genre, financé à 87% par Vinci Autoroute. Et c'est loin d'être terminé. Vinci Autoroute investit 16 millions d'euros dans un grand plan d'investissement autoroutier afin de doubler le nombre de places de parking, passant ainsi de 3000 à 6000 places gratuites. D'ici 4 ans, ce sont 70 aires de covoiturage qui seront accessibles aux usagers aux abords du réseau. Tout ça, c'est pour en fait accélérer l'utilisation des mobilités décarbonées, plus propres, faire en sorte que l'empreinte carbone de ces nouvelles mobilités soit beaucoup plus faible pour l'environnement. Avec ces nouveaux parkings de covoiturage, Vinci Autoroute contribue à diminuer l'empreinte carbone des automobilistes qui circulent sur le réseau.